Salut à tous, ici El Alcoraz, le stade de Huesca. Nous sommes tout au nord de l'Espagne. C'est Hervé Matou qui vous parle en compagnie de Pierre Ménès, avec un match qui s'annonce très intéressant. On attend un spectacle de qualité, hein, Pierre. Je ne sais pas vous, mais moi je pense qu'on va avoir un super match. Montolivo. Il cherche une solution. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si. Ah, le ciseau extraordinaire! Oui! Le ciseau extraordinaire! Ah, on en redemande un début comme ça! Pas de précipitation chez les joueurs dans la construction. Ils ont tranquillement attendu l'ouverture. Ensuite, la puissance fait le reste. Bon équilibre, bonne distance de frappe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Messi. Montolivo. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Attention à ce ballon récupéré là, très haut. Il file seul vers le but. Oh, ça tape la barre et ça rentre. On revoit le but, effectivement, le ralenti est cruel pour ce joueur. C'est bien une perte de balle qui est à l'origine de ce but. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ah, facile la récupération. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. Da Silva. Ah, ils perdent ce ballon. Ah ouais, c'est bien fait ça. Il faut trouver une option disponible. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Attention, attention à lui. Oh oui, c'est bien défendu. Ça, c'est pas très bien joué. Voilà. La passe est interceptée. Il s'infiltre, attention. Il repousse le tir. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Oh, le gardien s'est complètement raté. En position idéale pour centrer. Ça, c'est très bien défendu. Oh, le ballon dangereux. Montolivo, un redoublement de passe pour créer de l'espace. Oh, la barre, et ça continue. Ah, ils n'ont pas de chance, hein. Ils n'ont pas de chance sur ce coup. Le ballon qui frappe le montant et ça se termine dans les bras du gardien. Pas de bol ou coup de chance, ça dépend un peu dans quelle équipe tu joues.
Ah, pas de chance, c'est sûr, mais peut-être que ça va donner envie à cette équipe d'insister un peu plus. Faut continuer d'attaquer. Da Silva. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. C'est donné sur l'aile. Pontolivo. Et ça va donc être un corner. Ah, il est bien tiré le corner là. Il prend sa chance. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Ah oui, hors-jeu. Hors-jeu, c'est net. Ah, il ne s'est pas posé de questions, il a dégagé ce ballon. Les 30 derniers mètres. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Pontolivo. Ah, la bonne lecture et le ballon qui change de camp. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Le gardien sans scrupule, loin devant. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. Et bonne performance de cette équipe dans cette première période. C'est elle qui est installée aux commandes de cette rencontre. Elle a su faire plier l'adversaire et contenir ses attaquants. Il faudra faire plus pour pouvoir... On est à la moitié du chemin, c'est reparti maintenant pour 45 minutes. Il y a sûrement eu quelques ajustements tactiques, mais on va essayer de voir lesquels. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Bien donné encore une fois. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Oh, il était temps d'intervenir là. Pontolivo. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. On va chercher une solution à l'intérieur du jeu. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Tacle et l'arbitre qui laisse jouer. La passe est interceptée. Un ballon trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Ils vont pouvoir jouer la touche. Passe et c'est rendu direct à l'adversaire. Voilà. Oh, c'est pas bien défendu ça. Ah, c'est bien défendu. Un long ballon loin devant.
L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Ah non, le ballon est perdu. Ça, c'est pas très bien joué. Montolivo. Oui, magnifique cette passe. Ah oui, je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Messi. Bonne intervention défensive. Il concède la touche. Il résiste. Bonne protection de balle. Il poursuit son action. Ouais, c'est bien joué défensivement. Bien vu. Ouais, le cadeau. Allez, le centre peut-être dans l'axe. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Oui, la faute signalée et sifflée. Messi. Da Silva. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Da Silva. Voilà. Il faut trouver une option disponible. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Montolivo. Des bonnes séquences de passes là pour cette équipe. Oh, le bon ballon! C'est sans problème pour le gardien. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, c'est bien en touche. Ouais, coup franc, bien sûr. Ouais, bonne intervention. La touche. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Allez, encore 5 minutes à jouer dans ce match. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Oh, que c'est bien donné, ça. Excellente sortie dans les pieds du gardien. Il remporte son duel sans commettre de faute, en plus. Ouais, il a le temps de centrer. Un ballon qui est récupéré par la défense, qui ne sait pas trop qu'en faire. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public.